Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto hyper rapide, hyper facile pour une petite pochette pour emballer en fait vos petites découpes pour vos envois. Voilà, c'est hyper simple, il vous faut des pochettes pour cartes, moi elles viennent de chez Action, un bout de feuille 30-30, une agrafeuse. Voilà, c'est assez simple, c'est assez sympa. La personne pourra le laisser comme ça et ouvrir délicatement, parce que bon, c'est du papier plastique très fin, hein, donc enfin, si vous en avez plus épais, c'est mieux. Voilà, l'ouvrir, prendre ses découpes, refermer. Voilà, donc ça fait un petit rangement, un petit stockage, parce qu'on est tous en manque de place, hein, faut se l'avouer, pour les découpes qu'on reçoit, etc. Donc voilà, c'est assez sympa, c'est hyper simple, c'est rapide, faut pas se priver. Allez, c'est parti. Alors, pour faire cet emballage, il faudra un morceau de papier de feuille design qui fera la largeur de votre pochette où vous emballerez vos découpes. Donc là, moi, elles viennent de chez Action et elles font 13 cm de large. Et vous garderez la longueur de la feuille 30-30. Donc moi, derrière, c'est blanc. Mais je vais faire, en fait, je garde le côté design où je vais mettre sur l'avant pour mettre mes découpes. Donc pour savoir où plier, on va placer nos pochettes en laissant un petit bord en bas. Et alors on met bien les découpes vers le bas. Hop. Et on les chevauche légèrement en les laissant celles d'en dessous apparentes. Donc là j'ai plié mon papier en voyant à peu près. Hop. Celui-là on va le remplir ensemble pour vous montrer comment le remplir. Hop, on le met comme ça. Je vois où est la fin. Je le chevauche légèrement. Et donc là, j'ai la hauteur que va prendre tout mon empilage de petites pochettes. Et au sommet de cette dernière pochette, je vais faire un petit trait. Et donc, j'enlève tout ça. Et maintenant, je vais faire un pli à ce niveau-là. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait mon pli. Je plie. Moi, ce que je fais, c'est que j'arrondis les angles. Je trouve que ça fait plus joli. Alors là, on ne va pas laisser toute la hauteur là. Donc d'abord, je vais regarder. Je vais replacer mes découpes. Et donc, je vais imaginer que je vais prendre la hauteur. Ça s'arrête à peu près là. Donc, je vais devoir... Ce que je vais faire, je vais décaler vers la droite. Je vois là, j'ai un pli, je vois à peu près la hauteur que j'ai là. Et donc, je vais refaire une marque sur ma feuille design. Et là, ça va être l'endroit où je vais couper. Donc là, j'ai plié, là, j'ai coupé. Et du coup, je vais récupérer, vous voyez, là, c'est blanc, moi, derrière. Alors, si vous avez une feuille qui a les deux côtés qui sont design, alors par contre, il faut que ça s'accorde. Hein. Mais si c'est blanc, eh ben, vous récupérez ce petit bout que vous avez coupé. Et on va venir le coller, dessus. Avant ça, je vais arrondir mes angles comme j'ai fait en bas. Voilà, tout simplement. On fait pareil pour le petit bout qu'on a récupéré. Hop. Et on va venir le coller. Hop. Voilà. Et voilà, on le colle là. En alignant bien. Alors, il y aura peut-être une petite bordure blanche. Alors, bon, je vais laisser un petit peu de bordure de chaque côté. Voilà. Maintenant, on va passer à l'accrochage des petites pochettes. Voilà, j'ai mis de côté le plus gros de notre travail et avant de les accrocher, on va mettre ensemble dans la pochette les petites découpes. Alors, c'est important que votre pochette soit ouverture vers le bas et donc le collant va venir se coller derrière.
Donc on place nos petites découpes avec donc l'ouverture vers le bas. Vous voyez, c'est ouvert là. Et le collant va venir derrière. Donc on les place face à nous dans le bon sens. Hop, on essaie de les mettre correctement. Voilà. On va les pousser légèrement pour qu'elles tombent vers le bout, mais pas trop. Là, on va retourner, on va coller. Alors, on ne va pas coller. Alors, ça va être compliqué de voir. Voilà, on ne va pas coller tout en haut. On va laisser une marge. On va coller vers là. Parce qu'après, on va agrafer. Si on colle tout en haut et qu'on agrafe, la personne ne pourra plus l'ouvrir. Elle sera obligée de déchirer tout. Ça serait dommage. Le principe de faire ça, c'est que ça puisse être gardé. Voilà, dans une boîte, dans son rangement de scrapeuse, etc. Et qu'elle puisse ouvrir, prendre, remettre. Voilà, ça fait un rangement. Donc, on va venir coller en laissant voilà, 1 cm. Hop. Voilà. Et du coup, on a nos petites découpes. Avec notre petite marge là, on va pouvoir agrafer. Donc, j'ai repris mon papier avec mes pochettes. Donc, je les place déjà un peu pour voir où est-ce que ça va donner. Donc j'ai déjà placé la dernière. Je vais enlever les deux autres. Je vais munir de mon agrafeuse. Et ce que je vais faire, ben, je vais agrafer. Donc je le place bien. Et je vais venir agrafer tout en haut où on a laissé la marge. En essayant, même si ça c'est pas totalement sur le plastique, du moment que c'est accroché. Voilà, j'agrafe de part et d'autre. Et je vais faire pareil pour le prochain. Donc, je replace bien ma pochette. Je maintiens bien. Et je vais venir agrafer. Hop, de chaque côté. Et la dernière. Vous voyez, ça tombe nickel juste au pli qu'on a fait. Voilà, hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Attention de ne pas aller trop loin. Là, je vérifie. Voilà, on peut toujours l'ouvrir. Donc ça, c'est impeccable. Voilà, maintenant, on a notre petit emballage. Alors oui, on voit des fois... Bon là, parce que les découpes sont petites, mais quand c'est bien rempli, on voit un peu moins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Voilà, on va mettre un peu de double face. Ici, alors, c'est vraiment pas grand chose, hein. C'est pour le tenir, quoi. Il n'y a pas besoin. Là, on peut utiliser celui d'action si on veut, pour les petites choses comme ça. Moi, j'ai pris, j'avoue que j'ai pris le premier qui venait, hein. C'était celui-là. Hop. Hop. Et on vient le coller. On descend bien nos découpes. Et voilà. On a un beau petit emballage pour des coupes, hyper sympa, que notre copse qui va recevoir le Happy Mail pourra garder précieusement avec les petites découpes auxquelles elle aura accès et qu'elle pourra aller chercher à sa guise. Impeccable, bon, il ne reste plus qu'à faire une petite déco et on est bon. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous servira. Je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.